Voulant savoir qui tu es, écoute ton silence. C'est un certain Yang Kum qui dit cela. Bien sûr qu'on veut tous être sûrs et certains de notre identité. On voudrait savoir qui nous sommes, mais nous nous rendons compte combien nous sommes des êtres complexes. Il arrive même que nous disons à ceux qui nous entourent « je ne sais même pas qui je suis ». Et là, une solution nous est donnée, une directive nous est donnée. Écoute ton silence. Dans un monde de bruit du matin jusqu'au soir, nous sommes constamment matraqués psychologiquement par des informations qui reviennent en boucle. On n'a pas le temps d'écouter. Ou on écoute plusieurs choses à la fois. Écoute ton silence. Écoute ton cœur. Écoute ton corps. Il faudrait s'y habituer aux résonances de notre être, aux signes que nous envoie notre être. Et là, bien sûr, nous ne sommes pas les mêmes, nous avons chacun notre personnalité. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Nous connaissons aussi ce dicton. C'est dans le silence que l'homme se retrouve et que l'homme peut se construire en sachant profondément de quoi est-il fait, quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qu'il est. Écoute ton silence, que ça devienne une discipline dans ta vie.